En belle bouteille fleur, bon blaf poisson et puis un bon biguin. Pas même palette en bout, bel air. Sans compter un bon petit penche et puis. À un pays qu'on sache, le bagaille poudi, c'est un paradis. Grand bambou penché, flûte à maman là. C'est donc ici que tout a débuté. Ici, l'habitation Petite Guinée, qui faisait à l'époque de, la, de Joséphine, 527 hectares. C'est pour donner une, un ordre d'idée, de la Pointe du Bout à Rivière-Salée. C'est, ça, c'était le lieu où habitaient les Tachères, mais et c'est là où naît Joséphine. Alors Joséphine, nous allons essayer de nous intéresser à cette femme. C'est ce que l'on pourrait appeler une impératrice Welto. Le Welto étant ce mouvement de damier qui se caractérise par Ouai ou Paouai. Pourquoi ? Est-ce que Joséphine est née en Martinique ou à Sainte-Lucie ? En ce moment, à Sainte-Lucie, ils font de grandes manifestations touristiques parce que Joséphine, pour eux, est née à Sainte-Lucie. Bon. Est-ce que Joséphine... Alors par contre, ce que l'on sait, c'est que bon, elle a été baptisée à l'église des Trois-Îlets. De Beauharnais, à présent. Elle est de Beauharnais, et puis elle revient en Martinique pour 2 ans. Elle revient pour 2 ans. Alors, certaines personnes diront qu'elle revient en Martinique parce que son papa était malade et il fallait qu'elle vienne à son chevet. D'autres personnes disent qu'elle aussi était très malade et elle revient en Martinique parce que, bon, son mari s'est fait guillotiner de Beauharnais et il a une grande fortune. Elle part rapidement parce que, bon, pour des questions d'héritage, etc. Le problème, c'est quoi ? C'est que, est-ce que c'est la demoiselle, c'est la Joséphine de Beauharnais qui épousera Napoléon ? Ou est-ce que c'est sa petite sœur ? Pourquoi dit-on ça ? Parce qu'il existe un acte que l'on trouve encore aux archives départementales, un acte de décès de cette Joséphine qui est co-signée par sa mère et son parrain. Et elle serait morte ici. Et donc, ce serait sa petite sœur qui irait en France pour toucher l'héritage de Beauharnais, donc bon, et puis qui se marierait avec Napoléon. Du coup, on comprendrait pourquoi il y a une différence de 7 ans entre les deux. Elle ne s'était pas rajeunie, ben, c'était toujours la même chose. Mais on n'en sait rien, rien n'est prouvé. De la même manière, toujours le Welto. De la même manière, il y a une chose qui est incroyable. Bon, elle revient en France à 32, 33 ans à peu près, mais elle est stérile, c'est une femme qui est stérile, alors que quand elle était avec de Beauharnais, elle a eu 2 enfants. Alors entre temps, elle est devenue Brian, bon, on ne sait pas pourquoi, mais ça c'est encore le Welto. Bon. Dans sa vie, il y aura toujours des choses. Bon, par exemple, bon, on ne reviendra pas sur l'idée que Joséphine était-elle esclavagiste, celle qui a rétabli l'esclavage. Ça, c'est une vaste plaisanterie, puisque de toute façon, d'abord, pour Napoléon, elle n'avait aucun pouvoir, premièrement. Deuxièmement, la Martinique était anglaise. Bon, donc l'esclavage était là. Non, pas, si l'esclavage a été rétabli, c'est plutôt pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, la France est en guerre avec toute l'Europe pratiquement, y compris l'Angleterre, et le sucre coûte moins cher chez les Anglais parce que ce sont des esclaves, alors que en Guadeloupe, ce sont des gens que l'on doit payer. Donc on rétablit l'esclavage, concurrence déloyale. C'est pour une question de concurrence déloyale, dirons-nous. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous avons avec nous Hector Elisabeth. Bonsoir. Sociologue. Serge Pain, historien, un des responsables du musée de la Pagerie,
Et aussi, ce qui n'est pas pour rien, un de l'équipe municipale des Trois-Îlets, très important pour Joséphine, Monsieur Éric Noël, historien aussi, et notre ami Philippe Mourouvin. Philippe Mourouvin qui est cinéaste, ou tout au moins producteur d'un film réalisé par Christian Lara sur le mystère Joséphine. Alors, bon, rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Qu'est-ce qui arrive à Joséphine? Qu'est-ce qui arrive à cette femme? Parce que, bon, en fait, elle pratique le Welto toute sa vie. Donc, on ne sait pas qui est-elle. Est-ce que c'est sa petite sœur qui a été sacrée impératrice, ou est-ce que c'est la même fille? Bref, nous sommes là un peu pour décortiquer la chose. Sur le plan historique, je pense que nos amis Éric et Serge vont certainement apporter un éclairage. Mais en restant dans l'humour du Welto, on pourrait commencer par dire que Joséphine, c'était pas Joséphine, c'est Napoléon qui l'a appelée Joséphine. Donc il y a déjà un élément là qui est aussi à prendre en compte. Mais exactement. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi le fait que, on dirait en Martinique, il y a bien joindre. Pourquoi? Parce que Napoléon était quand même un grand illusionniste. C'est lui qui a dit que une belle image vaut mieux qu'un long discours, et qui s'est permis, et là tout le monde a vu ce tableau de Napoléon au pont d'Arcole, où très, très bravement il amène sur un cheval blanc, il entraîne ses troupes pour attaquer. En fait, celui qui était sur le cheval blanc, c'était un nègre de Saint-Domingue qui s'appelait Hercule. Et de retour, Napoléon a demandé au peintre officiel de changer. Alors le cheval n'a pas changé, mais et Napoléon était là, et etc. Lors du sacre de l'empereur. Il avait d'ailleurs, il était très, je crois que vous serez d'accord avec moi, il était très antillais dans sa façon de voir les choses. Il ne fait pas voter les morts, il fait participer des morts à son sacre. Il y a sa mère, il y a des gens qui n'ont jamais été là. Voilà. Donc, alors lui, il invente. Ouais, elle n'a pas voulu venir. Non, mais bon. Il y a une parenté de couleur de l'impératrice qui ne figure pas. Voilà. Françoise de Beauharnais, mariée à un mulâtre, qui s'appelait Castin, est absente de la toile du sacre. Voilà. Et l'époux. Et pour raison. Voilà. Donc vraiment, c'est le Welto absolu. Quoi. L'illusionniste. L'illusionnisme. Non, vaut mieux dire Welto parce que. On le verra après, notre amie Joséphine est quand même une créole pure et dure. La culture créole avec elle, c'est quelque chose d'important. Alors maintenant, il y a une autre chose, c'est que, bon, nous sommes tous avertis, au courant, qu'un peu partout en Europe, il y a des manifestations, des expositions à propos de Joséphine. Chaque fois, on parle de la Martinique, et en Martinique, on ne parle pas d'elle. Alors, bon, et on nous dit qu'on ne parle pas de Joséphine parce que cette dame était esclavagiste. Alors, l'historien, Joséphine était-elle esclavagiste? On ne peut pas dire qu'elle a été esclavagiste. D'abord, elle n'a pas eu part au débat lorsque s'est posée la question du rétablissement de l'esclavage en 1802. Napoléon Bonaparte, à cette époque, a pris autoritairement une décision toute politique, avec un caractère économique aussi. Hein, il fallait refaire partir la machine coloniale, et du coup, le rétablissement de l'esclavage s'imposait. En revanche, l'entourage impérial, l'entourage des Beauharnais, a joué un rôle. Et effectivement, pour toute cette famille qui comptait des colons, parfois dépossédés, eh bien, le rétablissement de l'esclavage pouvait servir. Je pense qu'il y a aussi
dans l'appareil politique un certain nombre de commis, on dirait des chefs de cabinet aujourd'hui, qui déjà à l'époque de l'Ancien Régime avaient défendu, à l'instar de la famille Dubuc, un certain nombre de prérogatives et qui sentent que le vent revient dans leur sens et qui veulent restaurer l'ordre ancien. En fait, ce sont des gens d'Ancien Régime. Tout à fait. Oui. Ce sont des gens d'Ancien Régime. Alors effectivement, par son alliance, Joséphine appartient à ce milieu et par ses origines personnelles aussi. Mais en aucun moment, elle n'a pris part au débat. Et par ailleurs, l'attitude qu'elle a pu avoir avec le personnel servile de sa famille ne montre pas du tout une attitude dure, extrême. Non, mais on peut être esclavagiste sans être dur. C'est tout vrai, à fait. C'est... Mais il y a plutôt eu des mesures d'affranchissement dans des cas qui se sont trouvés à sa portée, si on peut dire, et elle a plutôt servi ses causes plutôt qu'elle ne les a desservies. Alors, au niveau des affranchissements dans son entourage, pas trop loin, Serge Pain, autre historien, a fait des recherches et il a découvert que Joséphine, alors impératrice, avait demandé l'affranchissement de 6 esclaves de la Pagerie qui étaient proches. Affranchissement qui était accepté par Napoléon. Et mieux, les affranchis en question dont il s'agit ont été dotés jusqu'à leur mort. Racontez-nous ça. C'est-à-dire que la mère de Joséphine, dans son testament, avait demandé à affranchir 6 esclaves qui étaient des esclaves proches, des esclaves domestiques. Cuisiniers. Oui, alors, d'ailleurs, on a gardé les noms. Oui. On décortique le oui. Grave là. Allez, bon. On est près de Pâques là. Napoléon signe l'acte d'affranchissement. De qui ? De 6 esclaves. Un des noms connus, c'est la famille Laguerre. Le premier Laguerre qui était esclave sur l'habitation de la Pagerie et affranchi par Napoléon. Il était cuisinier, il est repéré comme cuisinier, mulâtre, 58 ans. Il a franchi et les descendants, les Laguerre d'aujourd'hui descendent de cette famille. Bon. Donc il y a une proximité maintenant, entre un attachement, dirons-nous, entre Fort-de-France et les Trois-Îles. Alors, par contre, quelque chose que je voulais rajouter, c'est concernant Joséphine. On a beaucoup dit qu'elle a fait rétablir l'esclavage. Mais il n'y a aucune preuve, aucun document qui l'atteste. Par contre, s'il faut polémiquer, il faut aussi dire que si elle avait cette influence sur Napoléon pour lui avoir imposé le rétablissement de l'esclavage, il faudrait m'expliquer est-ce qu'elle a eu la même force, parce que son premier mari, Alexandre de Beauharnais, a fait partie de la Société des Amis des Noirs. Donc, est-ce qu'elle a eu cette influence sur lui pour qu'il soit anti-esclavagiste et qu'il ait la même influence sur l'autre pour qu'il soit pour le rétablissement ? Et on dit aussi qu'elle aussi faisait partie de l'association des. Non, pas directement. La liste des membres, tout ça a été étudié. Marcel de Rémy a fait un travail sur la Société des Amis des Noirs, de même qu'il y a une étude sur la Société des Ennemis des Noirs, ce qu'on appelle le Club Massiac, et les membres sont nominativement connus, et on ne retrouve pas effectivement son nom. Mais il est clair que la Société des Amis des Noirs réunissaient des aristocrates ouverts d'esprit, une société d'artistes, de savants, de femmes aussi. Et de francs-maçons. Et de francs-maçons. Ah oui, alors, parce que cette influence-là, effectivement. Globalement, les francs-maçons étaient quand même plus anti-esclavagistes qu'esclavagistes à l'époque. Alors, il faut rappeler que monsieur le professeur Éric Noël a fait une thèse remarquable concernant Joséphine, qu'on peut montrer d'ailleurs. Alors, ce travail, en fait, est une thèse sur la famille Beauharnais, dans sa période antillaise, dans la mesure où elle est arrivée en 1756 dans les Petites Antilles, avec un François de Beauharnais, beau-père de la future impératrice, en qualité de gouverneur.
Et là, véritablement, elle s'enracine après avoir eu des intérêts antérieurs au Canada, ce que l'on ne sait souvent pas. Mais les sucres des îles étaient sûrement plus rentables justement à cette époque que ne pouvaient plus l'être les ressources de la Nouvelle-France. La famille, donc, Beauharnais à Saint-Domingue, puis par ce jeu politique dans les Petites Antilles, connaît une belle prospérité dans la toute fin de l'Ancien Régime, qui évidemment s'arrête avec les événements révolutionnaires. Et c'est la raison pour laquelle cette thèse s'arrête à 1796, dans la mesure où l'alliance avec la veuve Beauharnais, Joséphine, avec Napoléon Bonaparte, va engager une autre histoire de la famille qui perd ses liens par la suite avec les Antilles. Chose que nous avons vécue. Alors, cette thèse est en vente à la Pagerie. Alors oui, dites-moi. La Pagerie a eu la gentillesse, la bienveillance de vouloir le mettre dans la vitrine d'exposition, tout à fait. Et cette thèse est par ailleurs tout à fait en vente en ligne par les circuits traditionnels de la vente par Internet comme en librairie. Alors maintenant, autre point, bon, avec l'esclavagisme, on a terminé. Le mystère Joséphine, entre Rose et Joséphine, etc., il faut bien essayer de faire quelque chose. Alors, est-ce que c'est deux femmes en un? Est-ce que c'est toujours le Welto? Alors, Philippe Aurouvin a fait des recherches. On a commencé par, bien sûr, les archives départementales, avec les actes de décès. Parce que, c'est pas normal qu'une seule personne ait deux actes de décès. Pourquoi deux actes de décès? Parce que si, Marie-Joseph Rose... Non, parce qu'elle est mort et remort. Mort et remort. voilà, c'est ça. Marie-Joseph Rose, donc, serait décédée le 5 novembre 1791, donc 5 ans. Avant de rencontrer Napoléon. Et ensuite, elle est morte une nouvelle fois en tant que Joséphine le 29 mai 1814. C'est bien ça? D'accord. Mais attention, la première mort se passe en Martinique. La première mort se passe en Martinique et l'autre, la deuxième fois à la Malmaison. Oui. Non, parce que si elle était morte deux fois au même endroit, non, problème. Non. Et la première mort est attestée parce que, à l'époque, on n'avait pas de mairie. C'était des registres paroissiaux, est attesté par le curé, l'oncle, Robert Tacher. C'est son parrain. Son parrain et sa maman. Voilà. D'accord, par trois personnes. Alors comment trois personnes peuvent se tromper? Surtout sa mère. D'accord. Donc c'est ça qui nous interpelle. La deuxième chose, c'est que celle qui... Par la suite, on pense prendra sa place, Marie-Françoise. On n'a jamais retrouvé d'acte de décès, quel que soit l'endroit, que ce soit la France ou les Antilles, de Marie-Françoise. Marie-Françoise s'est évaporée, elle a disparu. Donc, où est Marie-Françoise? Voilà. Et aussi, on remarque, quand on lit les écrits de l'époque, on remarque quand même qu'il y a des différences. Bon, à part la stérilité que certaines âmes bienveillantes expliquent par le passage pas trop loin de la guillotine, elle avait tellement peur, paf, c'était ruiné. Bon, mais à part ça, on remarque qu'il y a quand même deux comportements un peu différents. C'est-à-dire que autant la première du temps de Barnet, voilà, ouais. Elle a les dents pourries, tout le monde le remarque. On parle de son sourire à la Joconde, quoi, voilà. Et puis elle revient après. Avec des dents magnifiques. Avec des dents magnifiques. Et puis un tempérament de feu. Un tempérament voilà. De feu. Voilà. Parce que jeune au couvent. Qui avait enfin à Fort-de-France, l'endroit où elle allait dans cette espèce de pension, on te dit que le soir, certains soirs, elle faisait le mur. À l'âge de 12-13 ans, elle faisait déjà le mur. Ça ne rigole pas. Donc, je parle de Marie-Françoise. Oui, oui. Donc, il y a quelque chose de bizarre, tu vois. Et comment
Marie-Joseph Rose, qui avait eu deux enfants, pouvait tout d'un coup se retrouver stérile. C'est un petit peu attiré voilà. par les cheveux. Ouais, alors du coup, avec Christian Lara, voilà. ils en ont tiré un film. Voilà. Le mystère Joséphine. Alors ce mystère Joséphine est si mystérieux qu'il n'est jamais passé en Martinique. Il faut le noter. Oui. Il est passé en Guadeloupe, il est passé en France, il est passé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, il a été boycotté par la Martinique. D'ailleurs, quand on a déposé les dossiers, la région a écarté. Hein, bon, il faut le dire. Non, c'est évident. Il devait l'écarter. Pourquoi ? Parce que jusqu'à machin, Joséphine, esclavagiste. On ne veut pas financer un film sur une esclavagiste. Ouais. Les seuls qui ont aidé, il faut le dire, c'est la fondation, c'est la Moni. Hein, Monsieur Delavigne, et qui a aidé, et Christian. Donc, mis à part ça, parce que c'est un film coûte très cher, c'est pas évident. Il a tout l'argent qu'il avait ramassé, les costumes, parce que les costumes n'existaient plus à la Malmaison, les costumes du sacre. Il a fallu les refaire, les créer. Donc, il s'est adressé à des artisans martiniquais et guadeloupéens, dont un Martiniquais qui a fait, il y a eu le couturier martiniquais, qui s'appelle Couturier d'ailleurs, c'est lui qui a repris toutes les côtes à la Malmaison des costumes. À l'identique. Hein, et qui a donc recréé ces costumes avec le brodeur martiniquais, voilà, et qui est le premier brodeur de France. Tu vois. Donc, et toutes les parures, les couronnes, etc., ont été reproduites à l'identique. Et nous y reviendrons tout à l'heure, la Maison de l'Espoir. Il a été tourné quand ce film ? Il a été tourné déjà il y a 3 ans. Plus que ça. Après 10 ans. Ouais. Attends, 10 ans ? Oui. Après 10 ans. Bah, non, c'est pas possible. Ça passe pour tout le monde. Oui, tu as raison. Depuis 10 ans. Ah, il faut le savoir. Depuis 10 ans, le film a été tourné. Bon, qu'on n'en parle pas, mais... On ne veut pas en parler. Mais, tous les costumes, joyaux, etc. sont disponibles. Là, ils sont là. Sont disponibles pour la Martinique. Et les costumes sont là. Christian, donc, plus d'une fois, a voulu, a proposé, mais pour un prix dérisoire. Hein, c'est juste pour la forme, parce que ça a coûté très cher, chaque costume. À ce jour, suite à une démarche qui avait été faite auprès d'Éric Hercilly par Sainte-Lucie. Ouais. Hein, non. C'est pas lui qui a. Je n'ai pas essayé de vendre. Non, il n'a pas essayé de vendre. Mais Sainte-Lucie a contacté Christian Lara pour acquérir les costumes. Alors d'ailleurs, c'est intéressant de donner cet élément-là, parce que dans le Rualto, pour y revenir, Sainte-Lucie, jusqu'à maintenant, indique que Joséphine Rose, son vœu, est née à Sainte-Lucie. Et du fait qu'il se réclame de cette, cette nationalité, et ils vont organiser toute une série de manifestations de très grande envergure, et avec des touristes, avec des manifestations, etc. Alors qu'ici, au contraire, on a l'impression de... moins on en parle, mieux ça se passe. En belle bouteille fleur, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air. Sans compter un bon qui penche et puis. À un pays comme ça, seul bagaille pudi, c'est un paradis. Grand bambou penché,